public réclame un avant. L'arbitre n'a pas branché. Ça ressort pour Tiusbord. Wilkinson. Pour cette balle récupérée par Guito. Attention, Matt Guito avec Dylan Armitage. Coup de pied bien joué. De Dylan Armitage qui sera à la lutte au sprint. Avec notre Pioloni, Nalaga, Armitage qui va le plus vite. Nalaga qui revient pour pousser ce ballon. Liburn se couche dessus. Puis Armitage qui a pris un choc avec Guito. Mêlée ouverte. Bon déblayage des Clermontois. Qui devrait pouvoir, grâce à la botte de Brock Jane, se donner un tout petit peu d'air. Et je me demande si Dylan Armitage ne s'est pas fait mal sur cette action. Je pense qu'il va reprendre sa place, mais en tout cas, regardez, comme c'est bien joué de la part d'Armitage, il choisit le petit coup de pied à suivre rasant. Il va presque prendre le meilleur sur Nalaga. Et c'est ici, au moment où il va vouloir venir disputer ce ballon, qu'il va se percuter tête contre tête avec Matt Guito. Je ne suis pas sûr que ce soit raisonnable, moi, de le laisser sur la pelouse. D'ailleurs, l'arbitre va lui demander de sortir. Oui, oui, de toute façon, le changement est prévu. Ah, c'est Geoffroy Messina qui va faire son entrée et donc retrouver cette pelouse de Marcel Michelin, qu'il a connue. Lui voulait rester, mais c'est finalement la raison qu'il emporte avec le remplacement d'Hermitage par Messina.